Hey! Yeah, I need that job as Bunko Poo. Je reprends vos droïdes endommagés, et mes prix sont plus intéressants que ceux des Jawas. Bien chaud, commencez la journée au pied du bon arbre. On se calme, on se calme. J'arrive. Voilà. Tu tombes mal, malheureusement. Ma meilleure serveuse Vanda a pété un câble et je me retrouve avec tous ses clients sur les bras. Tu penses que tu pourrais aider un vieil ami en apportant les commandes des clients? Il faut que je répare Vanda. Quand on aura terminé, on pourra discuter. Qu'est-ce que t'en dis? Super. Il te suffit de prendre les commandes des clients et de leur apporter. Si un droïde en est capable, je suis sûr que c'est à la portée d'un Jedi, hein? Mon 4-quarts, il est bientôt prêt! Parce que j'en ai même pas vu un quart depuis que je suis arrivée. Parfait! Merci beaucoup! Rien de tel qu'un grand jus de Jawa. Où est passée la serveuse? Mon jus de Jawa! Je veux avoir mon Soda Club Sandwich. Je suis garé en double fil. Ah. Ça a l'air délicieux. Quelqu'un a vu mon jus pétillant de photon? Il est vert fluo, vous pouvez pas... Mieux vaut tard que jamais. La prochaine fois, j'irai sur Naboo pour me cuisiner un pilon de Nuna. La prochaine fois, j'irai sur Naboo pour me cuisiner un... La prochaine fois, j'irai sur Naboo pour me cuisiner. Je vais me régaler. Tout le monde a eu sa commande? Super. Je t'en dois une belle.
Et Vanda aussi. Il m'a fallu un peu d'huile de coude, mais elle pourra bientôt se remettre au travail. Ouais. Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Assieds-toi, je suis à toi dans une minute. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est une pointe de Camino. Camino, ça ne me dit rien. C'est dans la République? Non, c'est au-delà de la bordure extérieure. Les Caminoiens vivent entre eux. Ce sont des cloneurs. Des cloneurs. Non, R4. Je ne me souviens pas avoir vu Camino sur les cartes. Allons voir aux archives. Je n'ai jamais entendu parler de Camino non plus. Entrons les coordonnées que Dex nous a données dans les archives Jedi pour voir. Les meilleurs jeux de Garthrod, tout coruscant. Inégalé à tous les niveaux. Besoin d'un taxi interplanétaire? Montez donc. Ça va pas être trop long. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Bienvenue au célèbre quartier fédéral de Coruscant. Merci d'avoir voyagé en notre compagnie. Vous, là-bas, vous voulez vous rendre à un autre coin de la planète? Profitez du voyage!
D'accord, R4. Entre les données de Dex dans le terminal. D'après Dex, Kamino devrait se trouver là. Mais, à ce que je vois, elle n'y est pas. Une planète. Maître Biwan a perdu. C'est ennuyeux. Il n'y a rien ici. La mémoire gravitationnelle demeure. Ah ? Très bien. Rends-toi au point de convergence gravitationnelle. Et ta planète, tu trouveras. Mais, Maître Yoda, qui a pu supprimer des documents archivés? C'est impossible, n'est-ce pas? Seul un Jedi aurait pu effacer ces fichiers. Mais qui? Et pourquoi? Difficile de répondre. Méditez là-dessus, je vais. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire d'une épreuve Jedi? L'art Dooku a terminé, mais aucun maître au grand... Voilà pour... Besoin d'un taxi interplanétaire? Montez donc. Je vous souhaite bon voyage. J'espère que vous ne vous ferez pas attaquer sur la route. Oui, ça doit être le bon système. Essayons de trouver notre planète disparue. Maître Jedi, je vous attendais. Bienvenue. Après toutes ces années, je craignais que vous ne veniez plus. J'étais attendu? Bien sûr. Dites à votre maître que sa commande sera honorée dans les délais. 200 000 unités sont prêtes et 1 million en bonne voie. Je suis sûr qu'il sera fier de l'armée que nous avons créée. L'armée? Oui, une armée de clones. Mais vous devez être impatient d'inspecter ces unités.
par ici, je vous prie. Lorsque mon maître vous a contacté au sujet de cette armée, vous a-t-il dit à qui elle était destinée? Bien entendu. Maître Sifo-Dyas a commandé cette armée pour la République. Pardon, Maître Sifo-Dyas? Il a été assassiné il y aura bientôt 10 ans. Je suis navré de l'apprendre. Très impressionnant. J'espérais que vous seriez satisfait. Les clones ont une intelligence créative. Vous verrez qu'ils sont immensément supérieurs aux droïdes. Je suis sûr qu'ils ne parlent pas de toi, R4. Ces clones, quels âges ont-ils ? Oh oui, nous utilisons la croissance accélérée. Sinon, il faudrait une vie pour amener un clone à maturité. Je vois. Ils sont parfaitement dociles. Ils obéissent à tous les ordres. Nous avons modifié leurs gènes pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Et qui était le sujet d'origine ? Un chasseur de primes, Jango Fett. Un chasseur de primes ? J'aimerais rencontrer ce Jango Fett. Je me ferai un plaisir d'arranger ça. Outre ces appointements qui sont considérables, Fett n'a demandé qu'une chose. Un clone non modifié pour son usage exclusif. Curieux, non ? Non modifié ? Son double génétiquement pur. Pas d'altération génétique pour le rendre plus docile, ni de croissance accélérée. Voici la chambre de Jango. Voulez-vous le rencontrer ? Jango, vous êtes de retour. Je vous présente le maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Il est venu voir où nous en étions. Vos clones sont très impressionnants. Vous devez être fier. Qui vous a engagé pour ce travail ? J'ai été recruté par un certain Tyrannus. L'armée vous plaît ? Je suis impatient de l'avoir à l'œuvre. Merci de votre accueil, Jango. Toujours un plaisir de rencontrer un Jedi. J'ai l'étrange sentiment que ce chasseur de primes est l'assassin que nous cherchons. Si nos soupçons sont exacts, il voudra partir rapidement d'ici. Allons à la plateforme d'atterrissage la plus proche.